Hey, salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas trop chez moi, c'est chez Lolo. Ça va? Ça va? Bon, on va vous montrer un peu. Laurent, c'est une mine d'or parce qu'il fait plein de trucs et c'est super intéressant. Il va Pas tout nous tant que ça, pas expliquer. tant que ça. Et franchement, c'est vraiment à voir quoi. Donc, Laurent, tu nous fais visiter une ruche en premier? Ouais, si tu veux. Donc Allez. ça c'est une F1 Ouais, Keld ouais. de la production de l'année passée. Ouais. Et t'as quoi là sous les ruches là? C'est quoi ce truc gris là? Ça c'est les balances. C'est Ça les balances. c'est des supports de balance que j'ai fait en imprimé en 3D et j'ai mis des pesons. Voilà, ça c'est super intéressant. Il a tout fait lui-même. Et là franchement, c'est un truc de fou. Là, on va vous montrer après, mais c'est énorme. Bon alors celle-là, tu m'as dit que c'était une F1. F1, ok. Ouais, Bon. ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Bon, du coup, ton printemps, pas terrible? Zéro. Ouais, comme Zéro, moi. comme tout le monde, je pense, dans Comme le moi, coin. chez nous, ça a été catastrophique. Voilà, donc là, ça rentre du pollen. Ouais. Ah, un petit peu de nectar là. Ouais, il y en a un petit peu, ouais, quand Un même. petit peu. Mais bon, c'est pas la folie, quoi. Juste de quoi les Ouais, nourrir, hein. après, il y a du monde quand Après, même, hein. c'est l'essentiel. Il y a du monde. Moi, tu vois, c'était pareil. Hein. Si j'avais pas nourri, je pense que j'aurais du mal. Hein. J'aurais eu du mal. Ah, ok, ouais. Tu mets ça comme grille arène aussi, c'est pas mal, ouais. Ouais, moi je préfère les. Ouais, que celle en plastique. Ouais. Et pour les rennes, là, toutes tes rennes sont marquées ou comment ça marche? Celle-là n'est pas marquée, mais si tu la vois pas, tu me dis. Ok. Tu peux pas la louper normalement. Ouais. Normalement. Rucher abrité, ça aussi c'est bien. Je trouve que c'est vraiment bien. Avec sur une vue magnifique, ça surplombe là une vallée, là c'est vraiment chouette. Ouais, il y a du monde hein, quand même. Ouais, ça va. Par contre, Les toi. moins grosses que sorties d'hiver. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est calme, hein. Ouais, ça va, c'est. Ouais. Décolle tes cadres. Ouais, c'est calme, hein. Alors Alors. ça doit être du pollen, tu Ouais. vois, un petit peu de Pollen, couvain. un petit peu de couvain en haut à droite. Bon, je regarde quand même qu'elle ne me fasse pas de cellules. Ouais. Ouais, c'est calme, c'est beau ça. C'est qui s'énerve derrière? Voilà. C'est beau ça. Ah, elles ont une vue magnifique là. Essayer de trouver si on la voit. Alors je sais plus si c'est ce cadre ou l'autre que j'avais utilisé en picking la semaine dernière. Ouais. Hop. Là c'est tout en train de naître. Tu vois en bas là. Ouais, exact. Regardez derrière qu'on n'est pas la princesse. Elle n'est pas marquée celle-là. Ouais. Ouais. Alors, a priori, je vois pas. Ça n'a pas l'air, je vais regarder si c'est pondu. Ouais. Donc, toujours bien se mettre au soleil, hein, quand Ouais. vous regardez pour voir la pente, hein, ça va être bien, hein. Ça a l'air d'être pondu. Ouais. Ah, pas trop. Hop. Alors moi, tu vois, je décale. Ouais, ok, je fais pareil. Vous savez, je vous avais montré en vidéo, hein. Moi, en principe, voilà, Laurent fait comme moi. Je le mets bon en bas Voilà, c'est ça. et mauvais en haut. Non, ouais, ça devait être celui-là que j'avais utilisé en picking. Là. Ah, ok. Il était magnifique. Ouais, il y a un peu de mal. J'ai vu qu'elles en viraient un peu ce matin. Je pense qu'elles doivent tenir juste le Ouais, ah minimum. ouais, Ouais. si elle commence à virer les mâles, ouais, Tiens, ça regarde, doit elle être. lance. Ouais. Tu vois, Ouais, elles c'est sont. tout. Ouais.
Je sais pas si on pourra voir le... Peut-être ouais. Je ferai un petit zoom pour voir le couvain. C'est beau ça, hein. Ouais, elles disent rien, elles sont super calmes. Hein. Ouais, alors après je les fume, c'est pour les faire descendre, pour pas les abîmer, ouais, quoi. C'est tout, quoi. Ah c'est, ouais. Pas... c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Après, ce qui nous vole devant les yeux, c'est souvent la mini plus de derrière, parce que je les... tu sais, elles sont derrière. Ouais. Et ça, c'est une... okay. Ouais, c'est pas très joli comme cadre de couvain. Ouais, ça va, hein. Pire, hein. Il y a pire, c'est mais rigole, hein. Il devrait y avoir du miel au-dessus. Eh ouais, mais bon. Alors on va regarder. Mais... ah. Ouais, peut-être un semblant d'amusette. Pas mais pendu. Tu vois, c'est pas pendu. Celle-là, tu peux les détruire toutes les semaines. De toute façon, elles y sont. Ouais. Et... ah ouais. Ouais, c'est un peu comme chez moi. Alors la mémère, elle est où là? Pour l'instant, je l'ai pas vue. Hein. Par contre, ça danse. Elle trouve peut-être des choses. Mais en principe, les après-midi, elles sont bien sur les cadres extérieurs. Je ouais. Si... ouais, par rapport un peu au soleil, ouais. On est un peu serré, là. Ouais, c'est une belle colonie. Ah, il y a du monde, hein. Là, c'est encore un joli cadre de couvain, quoi. Il leur manque juste un peu de mielé, quoi, pour que... ouais, c'est ça. Ça rentre et... petite amusette. Toujours pas pendu. Ça va, c'est correct. Ouais, c'est nickel ça. Ah ouais, c'est le gel là, on a eu du gel là, au printemps et ça flingue tout. Hein. Ouais. Là, moi aussi, je te dis, enfin, si je nourrissais pas, c'était... ah ouais, c'était cata, hein. Et moi, j'ai tellement espéré que j'ai peut-être pas assez nourri, justement, mais... elles sont en vie, c'est déjà ça. Ouais. Alors, on se tournera pour voir le... la ponte. Ouais, je sais pas si tu le vois, mais c'est tout café. Ouais. Alors moi, je le verrai pas, mais ouais. C'est ouais, tout café. Ça va faire du monde, ça. À la rigueur, tant que ça fait pas de cellules, ça va, quoi. Ouais. Et là, la fréquence là, des cellules? Ben... normalement, c'est tous les 5 jours. Moi, je le fais tous les 7 jours et ouais. J'essaye de pas en oublier. Ouais, moi aussi, c'est ce que je fais. Et tous puis voilà, quoi. Hein. Après, on s'amuse. Hein. Donc, s'il y en a une qui sème, elle est sème. Voilà, c'est ça. Exactement. J'ai pas encore vu la mémère. Hein. Et normalement, tu peux pas trop la louper, celle-là. Ouais. Tu as pas vu, toi? Non, toujours pas. Parce que des fois, quand on a du recul, on les voit plus. Ouais, des fois, oui. Moi, je les revois souvent en vidéo. Près, ouais. T'as juste une petite amusette là au milieu, là. Ouais. C'est pareil, c'est des trucs, tu vois, c'est voilà, pas pendu. Pendu. Ouais. Mais elles vont m'en faire. Ouais, ouais. À ouais. Chaque fois, ouais, elles me font ouais. La cloche. C'est ça. Au même endroit, quoi. Ouais, après, du moment que c'est pas pendu, c'est pas gênant. Donc, je vais faire descendre c'est un peu gênant. Parce que. Hop! Ça, c'est mon cadre à mâle. Ouais, alors cadre à mâle, comment tu fais? Alors, cadre à mâle, normalement, sur les reines que je veux pas qui inséminent, entre guillemets, enfin qui disséminent leur, ouais. Leur patrimoine, je le coupe. Ouais. Pour lutter contre le varroa? Ouais. Ouais, c'est bien. Une bonne méthode. Après, ça, j'ai pas envie de le couper, quoi, parce ouais. Que ben, c'est mal, j'en ai besoin, vu que je fais ouais, deux ou trois reines. Oui, forcément, ouais. Tu vois, voilà, ça tient le cadre, c'est, ouais, bien sûr, ouais. C'est gros, c'est propre. Ouais, c'est vrai. T'as pas envie, quoi. Donc, tu le gardes. Il c'est en vrai. Faut toujours un peu. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ce qui permet un peu de choisir.
Ouais, puis surtout si c'est ta souche, ouais, c'est sûr qu'il faut le garder. Ouais. Bon, on va pas la voir. Ah, on la verra pas là. Ah, il me reste un cadre. On rive un peu, ouais, ce que ça donne en nourriture. En nourriture? Non, mais t'as vu de la nourriture là? Il y en a pas, quoi. Ouais, rien. C'est cata, ouais. Je suis sur le fil. C'est vraiment la cata là chez nous, c'est vraiment galère. Hein. Et sans les balances, je pourrais pas être sur le fil comme ça, quoi. Ouais. Ouais, et alors l'avantage des balances, je l'ai vu la reine, elle est de l'autre côté. Ah, tu l'as vu? Il m'a semblé, ouais. Alors là, il y a beaucoup Attends, de mal. J'ai rêvé. Il y a beaucoup de mal. Quelque chose, mais... Ouais, je la vois. Bien sûr qu'elle y est. Ah, on la voit, elle est là, la mémère. Il me semblait bien. Elle est là. Et je vais la montrer. Voilà, tu peux la montrer au bout du lefcade, là. Voilà, ouais. Belle reine. Attends, viens pas par là. Elle est belle, elle est belle. Voilà, on aura vu la reine, impec. Belle reine. Ouais, tu vois, comme quoi, des fois, on dit, ouais, en rive, elle peut être en rive. Si, aussi, les après-midi, moi, je les trouve souvent en rive, justement, d'accord, sur les deux derniers cadres. Ouais, tu vois. Elle. Ok, ouais, une belle reine. D'ailleurs, ça m'embête, ça y est, je l'ai perdu du regard. Elle est là. Elle est là. Voilà. Voilà, ça m'embête parce qu'il faut que je la remette dedans. Voilà. Donc, j'attends qu'elle soit au milieu du cadre. Avec précaution, ouais, quand vous voyez la reine comme ça. Et au milieu de tous ces mâles, ça y est, je l'ai reperdu. Pas de geste brusque. Elle est toujours là. Hop. Super. Alors, je vais la remettre là. Et poser doucement, on est en sécurité. Impeccable. Pas de soucis. Bon, ouais, du coup, léger en nourriture. Hein. Ça serait temps qu'il fasse quelque chose. Je ne me rappelle pas combien elle avait, elle. Je crois qu'elle est à 29 kilos. Je crois qu'elle fait 29 kilos, c'est une 10 cadres, ouais. C'est plein d'abeilles. Ouais, alors d'où l'avantage d'avoir une balance. D'avoir une balance, bah du coup, on se rend compte de ce qui se passe un peu. Hein. Peut-être dans l'hiver aussi, l'avantage. Ah ben, l'hiver, ouais. Moi, c'est ce qui me décide à mettre du candy, voilà, ou pas. Je me fixe un poids limite, ouais, où je mets mon candy. Voilà. Et quand elle atteint le poids limite, je mets mon candy. Et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on n'a pas froid. Ah, ça commence à couler. Et heureusement, on a fait des rideaux parce que. Mais là, si j'ouvre les rideaux au-dessus. Rucher abrité, c'est vraiment sympa. Par contre, ouais, la différence, elle se fait sortie d'hiver. Sortie d'hiver, des colonies ça vachement part plus tôt. Ouais, 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 ouais. Forcément, hein, forcément. Elles sont plus abritées. Elles sont. Hop! Qu'est-ce qu'on peut se faire après, Laurent? Un mini plus, peut-être? Ouais, si tu veux. Ouais. Tu veux voir des cellules que j'ai piquées pour voir ce que ça donne? Ah ouais, je veux bien. Alors, attends, on va refermer elle. Qui c'est que j'ai coincé? Mais non, elle s'énerve. D'où, là? C'est laquelle qui s'énerve? Ouais, j'entends pas. Tac, impeccable. Hop. Ouais, c'est vraiment un bel emplacement là. C'est chouette. Ah là, il n'y a pas de pesticides en plus. L'agriculteur là, il fait la vache. Ouais. Et c'est bio. Il est... D'accord. Ouais, ça aussi c'est bien. Hein. Ça c'est pas mal. Et on regarde les cellules que j'ai piquées mercredi. Mercredi? Ouais. Ok. Alors, elle, donc je l'ai sortie de l'hiver, dès qu'elle a commencé à être grosse, elle était un peu violente. C'est une des filles de celle-là, là, que je te disais tout à l'heure. Ok, d'accord. Que j'ai gardée parce qu'elle était calme. Ouais. Et donc là, tu vois, elles ont bouffé tout le candy. Alors, candy, c'est quoi que tu mets? Candy protéiné? Alors là, non, parce que j'ai des protéines dessous. D'accord. Là, je leur ai mis du candy pour qu'elles aient un petit peu à bouffer pour élever les cellules. D'accord. Après. Ah là, ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal cette pâte aussi là. Voilà. Et depuis que j'ai supprimé la reine, elle est presque plus calme que quand d'accord. Elle l'avait. Ah ouais. Donc je l'ai orphelinée 9 jours. Ouais. J'ai
hué les dernières cellules royales donc mercredi, ouais, avant de faire mon picking. Et... Ok. Et là, c'est la première fois que tu ouvres là, donc tu vas voir l'acceptation. Le résultat. Ouais. Mais bon, voilà, hein, je suis pas un pro, hein, donc. Hop, je vais monter ça sur. Ouais. Alors, je vais essayer de me rapprocher un Allez, peu. Bien. Ah, alors, c'est une, pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a déjà une d'operculée, dis-moi. Ouais, ouais. 8 et 9. Allez, celle-là, la dernière. Et 9, ouais. Ah, ouais. Ben, franchement, c'est 9 beau. 9 hein. sur 5 et 7. C'est vraiment beau. Hein. Putain, c'est joli, ça. Et puis, on ira les mettre dans la couveuse après. Ouais. Tu me montreras ta couveuse ? Remarque si. Moi, c'est bête, j'aurais pu récupérer les deux operculés. Oh, je récupérerai tout. Je t'enverrai des images. Ouais. Si tu vois bien. Hein, c'est beau, hein. Ah ouais. Ça, c'est bon, ça. Donc, elle, je veux pas mieux l'embêter. Ouais, ouais. Donc, en fait, je l'avais gardé pour que ça me fasse des mini plus pour. Ouais. Hop. Pour faire mon élevage après quoi. Mais bon, j'ai été obligé de la tuer avant parce que. Mais tout vrai, tu te faisais agresser. Ah ouais, elle était vachement agressive. Comme, ouais. Comme les ruches à Cyril dans son rucher là de. Ah ouais, d'accord. Des perdrix là, ah ouais. Je crois. C'est un truc de ouais, malade. Puis, quoi. C'est pas agréable hein, quand, quand tu bosses avec non, ça non. Là, c'est pas terrible. Du tout, du tout. C'est pas terrible. Puis nous, c'est pas ce qu'on recherche. À la rigueur, le tout, c'est que ça. Ouais, soit... c'est ça, ouais, ah. C'est ça. Tu veux voir une reine de l'année? Allez, continue, moi je demande que ça, si tu veux. Donc je les ai marquées vierges. Ouais. À la maison, sortie de couveuse. Ouais. Je les mets dans une boîte. Ouais. Et tu les... Alors pour les introduire, comment tu fais? Ouais, je les mets dans une boîte avec du candy, toute seule. Ouais. Je prends 3-4 de hausse. Ouais. Je les secoue dans un mini plus qui est vide. Ouais. Je leur mets du sirop, je les mets 3 jours au garage. Et quand je les sors, après, elles se font féconder. Celle-là, j'ai okay. des images où tu vois la reine tourner ici. D'accord. Si, ah ouais, cool, si tu veux, cool, je les enverrai. Ça, ça m'est jamais arrivé, tu vois. J'aimerais bien que ça m'arrive. Moi, deux ou trois fois déjà. Mais bon, nous, on habite à côté, quoi. Et ouais, c'est voilà, ouais, notre ça cours, aide. Donc, ça aide, ouais. Forcément. Forcément, ça aide. Hop. Ouais, c'est beau, hein. Alors, c'est petit. Tu vois, il reste pas beaucoup de monde. Ouais, mais ça suffit, je pense. Après, elle a un marquage spécial. Parce qu'on a un peu glissé lors du marquage avec Sylvie. Ah, ça glisse un peu, ça arrive et ça. Et j'ai dit, tiens, on va pas arriver à... Ça arrive ça. Alors, double construction, tu alors, vois. Attends, je dans me les mini plus, ça arrive souvent. Ouais. Donc, tu vois, il y a ah une ouais, première tranche. D'accord, elles ont reconstruit dessus. Elles ont reconstruit, et c'est souvent quand on les serre pas assez. Et tu vois, derrière, c'est tout troué. Mais... Ouais, d'accord. Bon, après... Voilà, c'est un mini plus, c'est pas gênant, donc hein. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Tac, j'ai peut-être baissé un peu. Ouais, donc, c'est beau, hein. C'est joli, hein. Bah ouais. Ouais, c'est beau. Un joli couvain. Ouais. Rien à dire, hein. Et puis, en même temps, j'ai envie de dire, ça te fait une reine au cas où t'es un pépin sur tes... Exactement. C'est, ça c'est le but. Ouais, voilà. C'est-à-dire que... Comme on n'a pas trop de place, qu'on a que 5 ruches, ouais. Enfin là 6 en l'occurrence, mais je veux hiverner en fait mes 5 ruches, 5 et 100 en dessous et 5 mini plus au cas où. Ah ouais, ok, d'accord. Et là, l'hivernage des mini plus, là, ça marche bien, ouais. C'est la première année que je suis en hiverné parce que l'année passée, si j'ai hiverné celle-là. Ouais. Ça s'est pas trop mal passé. Ok. C'est bon, j'ai pas vu la petite reine marquée ouais. blanche. Non. Elle est peut-être sur l'autre cadre. Remarque qu'il n'y avait plus trop de place pour pondre. Là. Je ne sais pas si tu as remarqué, on l'a pas enfumé, elle. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, tu vois, sur les petites colonies, des fois, je. Eh ben, celle-là, tu osais pas l'ouvrir sans l'enfumer. Ah ouais, d'accord. Alors, ce que j'aime pas dans ces mini plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, ouais. J'ai toujours ouais, peur de faire un miracle. Elle est là, la reine. Hop. Hop, tu vois, donc elle est un peu marquée sur, ouais, le, non, sur bon. Le devant quand même. Il n'y a pas de mal, hein. Y a pas de mal. Et ça change de taille par rapport à l'autre. Hein. Ouais. Ouais. Hein, là, tu vois, elle bâtisse. Mais... Ah, c'est chouette. Il faut qu'elle bâtisse là pour. Mais tu vois, je pense que je vais le tourner pour qu'elle.
Ouais, elles bâtissent pour pondre. Mmh, c'est ça, c'est ce que j'aurais fait aussi. Ouais. Ouais. Mmh. On a été à la même école. Pareil. Tout pareil. Hop. Et le dernier à bâtir, ok. Bon, bah nickel, on s'est fait une petite visite là. Impeccable. Bon, avec un peu plus de réserve, ça serait encore mieux. Ouais. Hein, Lolo ? Ah, pire. Pour elle, pas pour nous, on s'en fout. On croise les doigts, ça va venir. Ça va venir. Sur ce, on vous dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ah bah.